Tip 1 is gebruik van icebreakers en energizers om zoveel mogelijk eigenlijk interactiviteit te creëren tijdens je training. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Je gaat met de groep aan de slag, je laat ze wat dingen voorbereiden, je laat ze loskomen, ze leren van elkaar. Je kan daarvan heel veel terugvinden via Google of het boek dat ook later bij de tips verder voorkomt. Tip 2 is preparation is key, dus voorbereiding is cruciaal. Start altijd met waarom van uw training, vooraleer dat je gaat kijken naar hoe ga je dat dan doen en wat. En in het hoe dat je dat dingen gaat doen, daar zit de interactiviteit in. Dat je gaat nadenken over wat willen we bereiken, welk doel en hoe kunnen we de trainees daarin meenemen door interactiviteit te gaan creëren, door oefeningen te doen. Tip 3 is, dat heeft te maken met tip 2 een stukje. Denk in building blocks. Dus eigenlijk, je begint met een start, een pauze en een einde van je training. En daartussen ga je een activiteit doen en wat energizers steken. In de handout zie je ook hoe dat je zoiets kan opbouwen. Tip 4 is locatie en setting is belangrijk. Hoe dat de kamer of de ruimte is opgezet, bepaalt in feite de mate van interactiviteit. Als je in een grote aula gaat een training geven, is het veel moeilijker om interactiviteit te creëren dan in een kleine zaal waar alleen maar stoelen zijn en waar je rechtstreeks contact hebt met je trainees. Tip 5 is stimuleren van samenwerking. Dat kan je op verschillende manieren doen door ze te vragen van samen een video te maken rond het thema waarop je traint. Je kan ze vragen van een rollenspel te spelen. Je kan ook vragen van ze laten samenwerken op een template. Dat is een groot canvas waar men samen tekeningen op gaat maken of wat vragen beantwoorden. Er zijn heel wat tips wat dat betreft in de presentatie terug te vinden ook. Maar dat gaat over het creëren van samenwerking. Donc le type numéro 6, c'est de poser des questions et de demander du feedback. En fait, chaque fois, l'idée, c'est que le formateur pose des questions à l'audience pour à chaque fois réengager donc, les participants. Chaque fois que le formateur va poser une question, il va obliger les participants à réfléchir et à se réengager dans le cours. C'est très utile quand on voit qu'une partie de l'audience commence à s'endormir. Alors on pose une question, peut-être on peut même diriger vers la partie de l'audience qui a l'air de décrocher et là, elle se réengage dans le cours. Donc le type numéro 7, c'est de jouer avec les formats pour varier. On a besoin, en tant qu'auditeur ou participant à une formation, de voir différentes choses, sinon on se lasse très très vite. Après une dizaine de minutes, les gens commencent à se lasser de ce qui se passe. Donc c'est intéressant de jouer avec les formats et de venir avec différentes choses, que ce soit de la vidéo ou que ce soit un jeu. Alors on peut aussi mettre les participants en groupe pour travailler sur une question. Et il y a différentes manières de mettre les participants en groupe. Il y a le format Wall Café, par exemple. Il y a aussi le format Fishbowl, qui sont chaque fois des manières de mettre les participants en groupe et de les faire travailler sur des questions. Donc le type 8, c'est d'utiliser des jeux et des choses même qu'on peut trouver online. Par exemple, en ligne, par exemple, il y a Kahoot qui est vraiment reconnu dans le monde entier et qui permet vraiment à l'audience alors de jouer et de s'impliquer activement. Il y a des petites compétitions aussi dans ces jeux, donc même si on pense que la collaboration, ça aide, la compétition, ça stimule toujours l'audience et ça permet toujours aux participants de se réengager, d'avoir du plaisir dans la formation. Type 9, c'est de terminer avec du style, end in style. Les gens disent souvent qu'on se souvient du début et on se souvient de la fin, on oublie ce qu'il y a au milieu et c'est vrai, c'est très important. Ce qu'on va faire en fin de formation est vraiment capital et donc de prendre du temps à la fin pour demander aux participants de dire ce qu'ils ont retenu ou de leur donner ce temps pour qu'ils regardent la formation par eux-mêmes et identifier ce qu'ils vont retenir et ce qu'ils vont appliquer, ça c'est très important et c'est avec ça qu'ils vont repartir chez eux. Alors le type 10, il est très spécifique, c'est dare, ça veut dire oser, mais c'est aussi un acronyme, on dit que c'est faire ce qui est bon pour soi. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des tips, tout le monde peut les utiliser, mais parfois certains tips vont être beaucoup plus, pour un formateur, vont être beaucoup plus intéressants. Et donc un des feedbacks qu'on donne ici, ou un des tips, c'est vraiment de choisir dans les outils qu'on donne, ceux qui fonctionnent le mieux avec soi-même.
Et c'est pour ask a lot of questions, comme on disait précédemment. C'est super important à chaque fois pour réengager l'audience et être sûr qu'on est vraiment on target, qu'on est vraiment dans le bon. On demande à l'audience et ça lui permet de se réengager dans la formation. R for reflect, bien réfléchir, donner des temps pour que le participant repositionne ce qu'il a appris et se l'approprie. Et alors le dernier, I for experiment and learn. En tant que formateur, vous êtes soudainement hors de votre zone de confort parce que vous êtes face à plein de nouveaux outils. Ces nouveaux outils, ça demande du temps pour les approprier. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est essayer. Hein, commencer peut-être pas une formation avec 45 nouveaux outils, mais d'essayer quelques-uns et de voir comment cela fonctionne dès que cela fonctionne, on s'en approprie des nouveaux.